Bonjour, nous revoici pour une petite vidéo nouveauté de la boutique. Alors, j'ai reçu des dyes. Donc, ces lots de dyes de la marque My Favorite Things sont faits pour faire vos shakers. Donc, vous aviez vu dans la boutique les petites capsules. Donc, vous avez la référence 4000. Qui a des capsules juste pour mettre des sequins ou de la neige, des petites perles, elles sont assez fines. Et la référence 4012 qui, elle, vous met des capsules un peu plus épaisses pour mettre des bonbons ou des petites sénettes. Alors, j'ai testé donc la première partie, découpe deux ronds, donc le cadre qui va dessus la capsule. Alors c'est la même marque, hein, donc c'est pile poil la taille pour fabriquer les shakers. Et ensuite le fond à l'arrière, voilà, peut vous servir de fond. Enfin bref, il y a encore avec un autre cercle et ensuite une petite étoile et un petit cœur pour faire des sequins à l'intérieur. Donc ceux-ci là, les épais, je pense les utiliser pour un album de Noël avec à l'intérieur de la neige et des petits personnages en découpe avec des dies. Donc voici pour ces nouveautés. J'en ai pas pris beaucoup, mais ça va revenir la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Ensuite, le réassort des dies nautiques. Donc là, il y en a plusieurs donc, qui sont revenus. Je vous avais montré les classeurs d'embossage qui font les vagues, donc de la même marque. Donc on avait testé sur de l'acétate épais, du calque en couleur et ensuite du papier. Donc là, j'ai reçu une nouveauté. Ce sont de la même marque aussi, des classeurs d'embossage en 3D. Alors là, la profondeur, j'ai testé sur une cartonnette. Alors je vous montre déjà le motif. Et à l'arrière, vous voyez, c'est vraiment 3D, l'effet est encore plus profond. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Vous pouvez même teinter juste le dessus en passant un petit peu de pastel sec. Vous trouverez bien des choses ou de la wax de chez Prima, des choses comme ça. Donc le 3D là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien pour les patiner après encore par-dessus. Donc ça, c'était pour la partie nautique. Ensuite sont revenus ces dies là de tampons avec justement les petits tampons sur Noël. Donc pour faire des timbres, vous avez aussi la flamme. Voilà, de chez Spielbender. Ensuite, ces dies-ci de chez Graphic 45. Alors vous avez le découpe du tag pour faire directement des albums avec juste des tags. Et ensuite vous avez aussi tous les dies ronds avec l'horloge, les aiguilles. Enfin voilà, je vous l'avais déjà présenté celui-ci. C'est vraiment un très beau produit. Ensuite vous m'aviez demandé pour vos albums, pour les emplacements de photos. Donc vous avez ces petits tampons de chez Stamperia qui viennent de sortir avec l'appareil photo. Donc moi je l'ai pris, c'est uniquement pour l'appareil photo parce que le texte en espagnol, ça ne m'intéresse pas. Mais pour placer l'appareil photo sur les emplacements de vos pages de scrap. Ensuite, j'ai reçu dans la marque Spring in the Air. Donc ça, c'est la collection. Donc ce sont des tampons. Ah voilà, c'est Crafter Companion, la marque. Donc ce sont des tampons avec des petits personnages sous la pluie, des bottes. J'avais pris des chipboards en bois qui étaient peints avec des oiseaux et des petites bottes aussi. Donc c'est la même collection. Je les trouve très très mignons, vraiment. Donc il y a les petites gouttes d'eau là. Il y a bon du texte, une cage à oiseaux, un nuage, un petit oiseau, en plus des personnages. Ensuite, j'ai pris dans la même collection ces lots de tampons et dies de fleurs et de feuilles. Parce que je les trouve très très mignons. Voilà. Donc vous avez trois tailles de fleurs. Très sympa pour faire vos embellissements. Et dans la même marque, mais pour Noël, toujours dans la collection Poinsettia. Une lampe, enfin une lanterne. Une lanterne avec le dies, donc le tampon plus le dies. Voilà.
Donc vous voyez, c'est quand même une belle taille. Et dans la même collection, des textes en tamponnage sur Noël, parce qu'il y a quand même des mots en français, joyeux Noël. Donc ça, c'est, vous l'avez en plusieurs langues, c'est très sympa. Voilà. Donc voilà pour ces petites nouveautés rapides. J'ai d'autres choses à vous présenter dans la collection Blanc Marie Claux, qui est une marque Chabi italienne dont les produits sont fabriqués en Europe. Je vais vous faire une petite vidéo aussi pour vous montrer ce que j'ai acheté de nouveau dans cette marque-là que j'adore. Voilà, je vous dis à bientôt.